Blab est une expérience originale autour du data journalisme. Ce sont des ateliers qui vont réunir pendant un mois une centaine d'étudiants issus de trois écoles nantaises, une école en informatique, Polytech, Université de Nantes, une école en communication et médias qui est ScienceCom, et une troisième école en design, en graphisme, en web design, qui est l'école AGR. Et ces étudiants travaillent donc avec des professionnels des médias, des journalistes issus des rédactions, et ensemble ils imaginent un projet de data journalisme, c'est-à-dire qui consiste à raconter une histoire à partir de données disponibles, données qu'ils ont trouvées, traitées, éditorialisées, visualisées. West Media Lab est un cluster, c'est-à-dire un regroupement des médias et de la filière en Bretagne et Pays de Loire. Et c'est pour en particulier les médias, le cœur de ce cluster que nous avons organisé l'an dernier et puis cette année, ces deux ateliers e-Blab, dans l'objectif de mettre en place donc des expérimentations qui leur permettent donc d'imaginer, de travailler un peu, de développer des nouveaux contenus, des nouvelles formes de contenus numériques. Mais le grand bénéfice de tout ça, c'est quand même la montée en compétence. C'est-à-dire qu'à travers l'expérimentation, c'est pas tellement le résultat qui va être diffusé qui est important, mais surtout ce qu'on va apprendre à la fois sur la gestion d'un groupe de travail avec différentes compétences, mais également l'appréhension des techniques numériques et des outils sans code et des outils qui permettent de visualiser et toute la problématique éditoriale que posent ces nouvelles exploitations de données. Renouveler cette expérience, la question s'est vraiment pas posée pour cette année. Au contraire, on était vraiment avec cette envie de améliorer, aller encore plus dans la montée en compétences autour des projets en data journalisme et le travail avec les étudiants. Donc non, c'est une évidence, la question s'est même pas posée. Alors à l'AGR, c'est vrai qu'ils ont régulièrement l'occasion de travailler sur des projets professionnels. Mais c'est le seul projet où ils ont l'occasion de travailler avec diverses écoles. Et c'est vrai que ce projet-là, il est vraiment intéressant pour eux parce qu'ils sont dans des conditions très proches de la vie professionnelle, en tant en tout cas que web designer, puisqu'ils vont se retrouver dans une configuration similaire, par exemple à une situation en agence, où ils vont avoir le client d'un côté, avec des demandes, des contraintes, etc. Et puis de l'autre côté, des développeurs qui ont eux aussi des demandes spécifiques, des contraintes. Et donc en tant que web designer, cette position un petit peu de tampon, où il va falloir prendre toutes ces contraintes, les faire siennes, pour obtenir le projet le plus pertinent possible. Mais le e-Blab, c'est aussi justement l'interaction avec d'autres et la découverte d'un environnement finalement qu'ils ne connaissent pas toujours. Donc l'autre gros apport du e-Blab finalement, c'est de les sortir de l'école, de les faire discuter avec des journalistes et des graphistes, d'essayer de comprendre un média et de répondre à son cahier des charges. Ce que j'apprécie dans le e-Blab, c'est la possibilité de travailler de manière, on va dire, horizontale plutôt que verticale, c'est chercher des ressources en proximité, échanger avec d'autres confrères. Comme chef d'entreprise, ça m'apporte l'expérience intéressante de confronter nos vues à celles de partenaires extérieurs avec lesquels on n'a pas l'habitude de travailler. Maintenant, quand j'en parle avec mes collaborateurs qui, eux, sont impliqués au quotidien dans l'opération, je m'aperçois que là aussi, de travailler avec des étudiants qui sont dans des grandes écoles qui, là aussi, appartiennent à des univers extérieurs aux nôtres, c'est quelque chose d'enrichissant. Non seulement le e-Blab dans sa structure, sa manière de fonctionner, c'est une manière de travailler simplement avec des données, être synthétique, réussir à problématiser et à immiscer dans des chiffres, des analyses et un sens critique, ce qui n'est pas forcément évident. Donc c'est une belle initiation, je pense, à ça.
Et donc pour toi, qu'est-ce que ce projet t'apporte ? Nous, ça nous apporte de bien apprendre à bosser en équipe, de gérer une équipe carrément, de faire ce parallèle justement du coup entre mise en application d'idées et comment mettre en place des idées. Ça nous apporte aussi une grosse diffusion sur notre travail, c'est-à-dire qu'une fois si le projet est rempli, une diffusion au niveau de la Bretagne et du Pays de la Loire, ce qui nous fait une bonne petite publicité.